Super, on y va. Bonjour. Je sais, t'en fais pas, ça va aller. Ça va? La bestiole a tendance à s'agiter quand il y a un truc qui va pas. Je sais pas ce que c'est, mais j'ai appris à lui faire confiance. Vous allez dans la montagne? On dirait bien. Je sais pas si c'est de la folie ou du courage ou les deux, mais faites attention à vous là-haut, d'accord? Entendu. Attention, c'est bon, pas la peine de... Oh ! Je te tiens, Shanna. Ah, oui, merci. Allez, en route, BD1. Je vais regarder ça. L'ascenseur n'est pas accessible. Comment tu t'appelles, gamin? Je veux connaître ton nom si jamais je dois t'en vouloir. Moi, c'est Cal, et voici BD1. Ma vieille mère m'a appelé Scuba Steve. Je suis Scuba le pêcheur. Tu sais, il y a un aquarium au Pailoon Saloon qui aurait bien besoin qu'on s'occupe de lui. Le Pailoon Saloon? Ce bar de pieds secs mal famé au fond de la vallée? D'accord, d'accord. Tu forces la main? Très bien. Retrouve-moi au saloon et on regardera ce fameux aquarium de plus près. On devrait peut-être se reconvertir en prospecteur, hein, BD? Voyons ce qu'il y a là-bas, BD. Yeah.
Bon, c'est reparti. Ce sera pas facile. Pense au trésor, Shanna. Allez! D'accord. Hé, regarde ça. C'est un nid de frémipèdes. Grise va adorer cette histoire. Come on.
Ok, je vais voir ça. Il n'y a pas grand-chose à voir. Battons-nous côte à côte. Les pillards font peur à l'Empire. Ça pourrait mal tourner, BD. La visibilité est mauvaise. Il faut avancer. C'est une navette impériale? Je sais pas pourquoi ils volent dans ces conditions. On va voir. La plateforme doit être ailleurs. Come on.
L'endroit devait être prospère avant. Maintenant, c'est une ville fantôme. Garde tes capteurs en alerte BD. Je le sens pas, cet endroit. Conduit d'énergie. T'as pas d'outils pour t'occuper de ça? C'est super. Avec un truc clochet. Super. L'ascenseur n'est pas accessible. Jette un œil, BD. Oh.
sécurité renforcée, hein. Je me demande qui voulait cacher tout ça. On dirait qu'il va falloir grimper ensuite. C'est plus sûr que de marcher. Sécuriser une navette. Il doit y avoir un truc important dedans. C'est pour toi. C'est quoi ça?
maintenant, BD. Faut y aller. C'est une sorte de fléchette électronique. La prochaine fois, essaie de lancer une analyse avant de tirer. On va réessayer. À toi, BD1.
Il y a quelque chose là-haut. Voyons voir ça. Regardons ça. Balance. Changeons d'angle de tir. Tu peux envoyer. Fais voir ça. La mission est amoindrie. Ce brouillard fait dysfonctionner nos capteurs. Au moins, il est toujours opérationnel. Correct. Cependant, mon efficacité au combat sera réduite en conséquence. Donc, si on nous attaque, tu vas au corps à corps. Votre raisonnement est logique. Il faut réajuster ta visée. Sacrée puissance de feu. Mmh.
C'était le dernier. Il faut calculer notre coût. C'est une inspection. Tu as ordre de me laisser passer. C'est une inspection. J'ai ordre de vous laisser passer. Pardon de vous avoir retenu, chef. Je suis sûr que vous trouverez tout en ordre. Espérons-le. Leur stupidité ne les empêche pas de conquérir la galaxie.
Allez, ne traîne pas. Fais ce que t'as à faire. Je ne sais pas si cette garnison tiendra face à une attaque des pillards. Je sais, je sais. Qui tu veux voir gagner ? Le Rancor ou le Gundark ? Ça fait haut. Impressionnant. On revient de loin. On s'y remet. C'est vraiment pas mal. Ça a l'air modifié. Sûrement pour la haute altitude.
à toi, Cal. Pierre et les Impériaux se mettent vraiment sur la tronche. T'en fais pas. Essaie de repérer Dagan. Bien reçu. Les pillards sont déjà passés par là. Ça s'ouvre pas. Bien joué. Allez, on continue. Ça ne bouge pas. Ça va le faire. Bonne chance. Je crois que j'ai un pillard sur les talons. Je vais m'en occuper.
plateforme est pas ici. Tiens bon. Excellent timing. T'en dois une. Je vais trouver un endroit pour atterrir. Cherchez-vous l'observatoire? Quoi? On fait que suivre les ordres! Un simple pion. Avez-vous un dispositif de communication? Oui. Activez-le. Je m'appelle Dagan Gera. Votre attaque ici a échoué et vos soldats ont perdu la vie. Toutes ces années passées sur cette planète paumée en vaudront la peine. Pour Tanalor, j'ouvrirai le chemin en ton honneur, Révis. Place à l'action. Ah.
pathétique. Alors ton maître n'a pas fait le bon choix. Tout ce qu'il a, hein. Bon, dans mon vaisseau. Ça me plaît pas. Il a peut-être trouvé le coupable. Il faut se dépêcher. Je suis d'accord. Je fais demi-tour. À plus tard. Voilà notre homme.
Pardon de t'avoir fait attendre. J'ai dû écraser quelques moucherons du chaos pour atterrir. Pas de problème. Il y en a toute une nuée droit devant. T'es prêt, mon vieux ? Allons chercher ce compas. Il y a presque plus d'impériaux dans le coin. Ils ont sous-estimé les pillards du chaos. Dagan est peut-être en plein délire, mais il a toute une armée qui croit en lui. Il pense qu'il les mène à Tanalore. Il faudra me passer sur le corps. Je regarde un peu cet endroit. Incroyable. Franchement, incroyable. On en a eu un qui voulait s'enfuir. Pitié, je me rends. C'est ça l'armée qui a vaincu le puissant ordre Jedi. Tuez-le. Regarde-moi cette technologie. Tu sais, ma fille adore les gadgets. Oui. Son jouet préféré, c'est un scanner du marché noir que j'ai pris à un homme de Mardéat. J'ai vraiment été un père indigne. Personne n'est parfait. Tu te bats pour qu'elle ait une vie meilleure. T'as raison. Tout ça, je le fais pour elle. J'espère qu'on n'arrive pas trop tard. Dagan quitte la planète avec le compas. Il va s'envoler et on ne le reverra jamais. Il faut se dépêcher et faire en sorte que ça n'arrive pas. Ça me plaît pas du tout. Toujours. T'es sûr de vouloir appuyer sur ce bouton ? Est-ce qu'on a le choix ? Ok, vas-y. What?
crois que tu peux faire démarrer ce truc, BD? On va les éliminer. Pour la troisième manche? Déjà la troisième? Oh, j'ai perdu le compte. Qu'est-ce que tu fous avec ce truc? Un truc de Jedi. Fais pas attention. Framer. C'est à sens unique. Jojo coûte cher. Les scientifiques de la République avaient la belle vie.
élégant, mon frère. L'observatoire est là-bas. Juste derrière l'armée de droïdes des pillards. On a de la compagnie. C'est le moment de le suivre. De la réserve pour Dagan. Je suis prêt. Et toi, BD? On va devoir se battre, Cal. J'attends ton signal. Les navettes s'en vont. Je ne reviendrai pas. Retrouve-moi. Où va Atan alors? C'est à toi de décider. On dirait qu'il a eu le message quelques années trop tard. Si seulement Santari m'avait soutenu, nous aurions pu convaincre le Conseil que Tanalore valait le sacrifice. Elle n'est plus là. Revis n'est plus là. L'Ordre n'est plus là. Et moi, je suis libre. Tu n'es pas libre, Dagan. Tu es seul. Que fais-tu là alors que ton véritable ennemi est dehors? Comment as-tu pu laisser la galaxie tomber entre les mains de cet empire misérable? Tu te considères comme un survivant, mais tu es un échec. Nous ne sommes pas vaincus. Pas encore. Tiens, qui se laisse aveugler par son passé? Au cœur de l'abysse, l'Empire ne peut pas nous atteindre. Je ferai de ces pillards une armée d'élite dirigée par des disciples formés à la force dans mon temple. Et quand l'heure sera venue, je frapperai et je purgerai cette galaxie par le feu. Merci, mais on a déjà un empereur. Remets-nous le compas. Pourquoi est-ce que je ferai ça? Parce que je suis un père à court d'options. Et t'es un obstacle sur le chemin d'une vie meilleure pour ma fille. Donne-moi ça. Où je t'abats sur place. Tu t'accroches à de piètres rêves. Après, Tanalore m'appelle. Tu es la honte des Jedi. Tu restes enchaîné au passé. C'est tout. J'empêche que l'Ordre était trop faible pour faire. Et pour ça, elle m'a trahi. Mais...
m'arrêtera pas. C'est lamentable. Alors que tu es sur le point de mourir, que ta vie ne valait rien. Ne résiste pas. Tu ne peux pas te cacher. Ah oui. Je le sens. Le deuil, la souffrance, la honte, la colère. Ces émotions recèlent un pouvoir immense, mais tu étais trop faible. À présent, il est trop tard. Les navettes s'en vont. Je ne reviendrai pas. Tu es perdu. Tu t'es écarté de la voie. Et tu n'es... Et tu n'es pas un Jedi. S'il te plaît, dis-moi que c'est bien réel. Qu'est-ce qui s'est passé ? Une illusion causée par la Force, qui puise dans nos peurs. J'ai exploité les siennes. Il fait plus aussi peur maintenant. C'est bon, il est toujours entier. PD, donne-moi de bonnes nouvelles. Dagan avait peut-être raison. T'es sûr que t'es pas... Tu sais... Réfléchis-y. Tanalore est une forteresse. On devrait y abriter le passage. Rassembler des alliés, s'entraîner. Ils ne nous verront jamais venir. Je sais pas, ça a l'air risqué. Le risque sera toujours présent tant qu'on n'arrêtera pas l'Empire.
Et puis, tu ne voudrais pas que Kata passe sa vie à se cacher? Tant qu'elle est en sécurité, ça me va. C'est tout ce qui importe. Oui. Oui, je te rejoins là-dessus. Mais un jour, quelqu'un devra affronter l'Empire. Pourquoi pas nous ? Cordova doit pouvoir le bricoler. On repart sur Jeddah. D'accord. Je vais juste jeter un coup d'œil dans le coin, histoire de voir s'il y a un manuel qui existe pour ce truc. On va bien trouver. Ouais. Hé, hey, BD. Tu m'as sauvé. Encore. Merci. Passe devant, Cal. Je suis sûr que les autres ont hâte d'apprendre la nouvelle. On se retrouve à Mantis. Ça fait rien, BD. On trouvera un autre moyen.
petit. Ça, c'est une prise rare. Qu'est-ce que c'est? Le mythique poisson fin. Son histoire est marquée jusqu'à l'arrêt par la cupidité et la tragédie. Il reste très peu de fins, à cause de leurs glandes succulentes. Mais je compte pas dépouiller cette pauvre créature de ses organes. On peut y aller? Cap sur Jeddah. Vous croyez que Cordova peut réparer ce compas? Non, je suis prêt à parier des crédits. Tu as des crédits à parier? Ça veut dire quoi ce que tu dis? J'ai hâte de voir Tanalore. Oh, moi aussi. Mais va pas fonder une école de sorcières ou je sais pas quoi. Et n'invite surtout pas tes sœurs. Elles me filent la chair de poule. Mais elles sont là, Grise. Tout autour de toi. J'ai senti quelque chose. Grise, t'as senti ça? C'est une blague? Assieds-toi, Cal. Maître Cordova. Dagan Gera avait le dernier compas, mais il est... endommagé. On peut pas dire qu'il l'ait donné de bon cœur. Ceci est réparable. Je m'y mets tout de suite. Bédé. Laissons Maître Cordova se concentrer. Je connais un endroit sympa. Bien. Bien sûr, Grise. C'est gentil. Ah, merci. Ah, ah, vraiment marrant. Bon, c'est parti. Deuxième tournée. Alors, c'est comment? C'est fort. C'est très sucré. Tu finiras par t'habituer. Dites, serré. Venez avec nous sur Tanalore. C'est le refuge idéal pour les archives et le passage. Je ne sais pas ce que le futur nous réserve. Mais on peut l'affronter ensemble. Oui. C'est une nouvelle voie pour nous tous. Cal. Maître Tapal serait fier du Jedi que tu es devenu.
J'ai eu un bon maître. Écoutez-moi. Le passage a trouvé un nouveau foyer. À Tanalore. À Tanalore. Attends une minute, chérie. Ça veut dire que tu viens avec nous? Oui, Gris. Je vais même commencer à préparer les archives pour leur transport. Il se fait tard, je vais t'accompagner. Dites donc, vous savez où il est, le Mantis? Cet endroit est terrifiant la nuit. Je vais venir avec toi. Oh, super. Mais pas de tour flippant, hein, d'accord? Et chérie, les Anachorètes viennent vraiment avec nous? Bien sûr, oui. Oh, la famille s'agrandit de toute une bande d'oncles et de tantes flippants. On a réussi. Ouais. Le combat sera bientôt comme neuf. On dirait que t'as la tête ailleurs. Tu me connais trop bien, Ferrailleur. Je pensais à Kata, c'est tout. Je sais qu'on s'occupe bien d'elle, mais... c'est toujours compliqué quand je reviens. Quand elle verra ce que t'as fait pour elle, elle comprendra. Ouais, j'espère. Je me dis qu'on devrait peut-être aller d'abord sur Tanalore, histoire d'être sûr que c'est sans danger pour les autres. Plus vite le passage s'installera là-bas, mieux ce sera. Il faut toujours avoir un coup d'avance sur l'Empire. Ouais. Hey. Demain, on aura un nouveau foyer. J'y serais jamais arrivé sans toi, Baud. Merci, mon frère. Ouais. Et il faut que j'aille enregistrer une histoire pour Kata. Passez une bonne nuit. Tu l'as mérité. Je l'ai vu, hein. La nuit, le désert s'étend à l'infini. Il y a de la beauté dans le vide. Tu parles comme une Jedi. Il pouvait pas se tromper sur tout. Non, pas tout. Écoute... l'ordre n'est pas... Ah!
Ça avance? Voyez par vous-même. Maître Cordova, vous avez réussi. Les impériaux arrivent de tous les côtés. Ils nous ont trouvés. Évacuez les vôtres. Je vais nous faire gagner du temps. Baud ? Je pouvais pas faire autrement, Cal. Mais... Mon enfant... Vous n'aviez pas à faire ça. Non ! Maître Cordova, il est mort. Vauda le compas, rattrape-le. Allez. Baud.
Boba. Où ça sort, ça? Se dirige vers les archives. Il essaie de s'enfuir. Ensemble. Tout ça pour que tu le donnes à l'Empire maintenant? Non, je ne le donnerai pas à l'Empire. Tu as tué Maître Cordova! Cal, tu n'as pas le temps pour ce combat. Quelque chose d'horrible va arriver aux archives. Écoute ton instinct. Tu sais que j'ai raison. Qu'est-ce que t'as fait? Si tu veux mettre ta famille à l'abri, fais-les sortir de là. Maintenant. Qu'est-ce que t'as fait? Pas le seul à avoir survécu. Il ne faut pas qu'il pénètre dans les archives. Oui, Maître Junda. Protégeons notre foyer!
Défendez les archives. Tu vas bien? Oui, mais l'Empire attaque l'entrée principale. Je connais un raccourci. Recule. Nous devons tenir le hangar jusqu'à ce que tout le monde ait été évacué. Pourquoi est-ce que les défenses de la base ne sont pas actives? Quelque chose ne va pas. Fuyez, si vous tenez à la vie. Allons les attaquer. Voilà qui est fait. Tu as vu Cal? Non. Mais BD était avec le Mantis. Ils évacuent un maximum de gens. Là-bas, des marcheurs! Il ne faut pas qu'ils franchissent l'entrée principale.
thermique. Il croit pouvoir nous battre. Vous le regardez. On doit détruire ces marcheurs. Il y a d'autres munitions au niveau intermédiaire. Très bien, on va en avoir besoin. Meryn, tu peux... Bien sûr. Tellement de morts. Il y en aura encore plus si nous ne protégeons pas le hangar. Cordova. Il aurait voulu qu'on sauve tout ce qu'on peut des archives. Et les toits de contact. Ils ne doivent jamais tomber entre les mains de l'Empire. Jamais. Des impériaux. Approchez avec prudence. On les battra ensemble. Alors, on les arrêtera. Descends au hangar.
toi aussi. Grise, tu me reçois ? Serré ! Quelle bonne surprise ! Reste sur le Mantis, jusqu'à ce que nous ayons sécurisé le hangar. Bien reçu. Bonne chance à toi. Ils ont enfoncé la porte. Repoussez-les. Pas de moment de franchir. Arrête de pousser. On continue de se battre. Je mourrai ici s'il le faut. Menace en vue. Craignez la magie de ta vie. De vous voir. Merci pour ton aide. Des nouvelles de Cal ? Rien pour le moment. Je suis sûr qu'il va bien. Il a dû désactiver son communicateur. Serré, c'est quoi le plan ? On s'échappe avant que le gros de leur force arrive. Puis on se retrouve au point de rendez-vous. Mais d'abord, je dois retourner aux archives. Les codes de contact du passage. Je viens avec vous. Non. J'ai besoin que tu restes ici pour protéger le Mantis. BD, va avec elle. Laisse tourner le moteur, Chris. Ce ne sera pas lent. Hé, chérie. Reviens vite. Je crois en toi. Merci, Chris. J'espère que Cal va bien, mais il faut se dépêcher. On a encore le temps d'évacuer les derniers anachorètes et de sauver ce qu'on peut des archives.